Bon. Salut YouTube. Entrez dans le camp principal de l'enclave. Ah ouais. C'est où? C'est là? Oh, c'est bien fait ici, c'est stylé, j'aime bien. Par contre, on se croirait à... Vu la bestiole que je viens de taper, c'est pas avec vos pics à la con que vous allez vous défendre, les mecs. Hein. Tu parles à moi, là? C'est Chewie, les gars. C'est Chewie. Salut, Chewie. Vous avez vu ma Alors, raconte. Qu'est-ce que c'est que ce camp? Entrée du journal débloqué. Ah oui, c'est un vrai camp, quoi. Ah! Ah non, ça va, il y avait des escaliers. C'est un vrai camp, quoi. D'accord. Il y en a des camps. Avec Krishna. Est-ce que c'est vous qui avez le disrupteur dimensionnel? Je suis à la recherche du disrupteur dimensionnel. Ok. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que je dis. Des quêtes secondaires. Attention, les quêtes secondaires, c'est le mal. Hein. C'est pas conseillé. Hein. Quêtes secondaires... pour finir dans l'estomac d'un insecte. Quoi? On n'est pas tombé là-dedans, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette tisane? Mais vous voyez une bête là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est... passé des bonnes journées, vous, hein. Ça va? Ah, d'accord. Ah, ils jettent des humains dedans? Ils sont bouffés par des bêtes? Quoi? Malade, lui. Alors... ok, on a juste traversé le camp et puis c'est tout, quoi. Goodies? Comment ça, goodies? Ah, ouais. Ok. Je peux pas prendre mes balles, c'est bizarre. Rendez-vous à la périphérie de l'enclave. Ben, let's go. Let's go. La petite cinématique pour ouvrir le truc. Incroyable. C'est beau. C'est beau. Fais pas dans le détail, hein, quand même. On est dans la perfectionnement. Bon alors raconte. Faut tuer des monstres? Par hasard, hein, je ne sais pas. Explorer la forêt et retrouver l'ancien camion d'Outriders. Ah! Je m'en rappelle encore de certaines. Les bestioles ici, hein, je les entends. Pitié, arrête. Yacob, je rigole pas. Yacob, je me déconnecte. Il y a des bestioles dans le coin. Hein. 100%, il y a de la bestiole dans le coin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, mais ça a beaucoup de vis, hein. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok, ah bah, il a tiré trop haut. Enfin, c'est trop fort le son. Hein. Allez, aidez-moi, quelqu'un peut baisser le son? Qu'est-ce qu'il tire, lui? Ah non. Non, mais il tire sur ses potes. C'est très bien, ça. Ça, c'est... tu m'arranges, là, tu vois. Merci beaucoup. Un rampant. Ah ouais. Ok. C'est quoi, ce truc bleu, là? Je vais décéder, hein. T'auras pas le temps. T'auras servi à rien du tout. C'est quoi, ce truc bleu qui brille? Faut pas aller le chercher, ça? Eh bien... plutôt généreux, le bordel. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre comme passage. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai appris avec le docteur Carlotti. Comment je vais faire? On n'est pas là pour ça. Ah, une sauvegarde. Là, ça va chier. Hein. Je sens que ça va chier des nouilles. Et si on rapportait l'antidote à Shira? On devrait rappeler à tous ceux qui font l'antidote, ceux qui attendent. N'est-ce pas? Oh. Oui, je n'y avais pas pensé. Le multiplateforme, tu peux pas le désactiver si je crois. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit morbide? Dégueulasse. Là, je sens que ça pue. Ça pue, les amis. Ok, boss. Oh, diantre. Je crois qu'il y en a qu'un, en fait, ils sont 9. Bon, ce qui n'est pas un problème au final. Je fais assez de dégâts pour mon niveau, j'ai l'impression. Le casque légendaire, les amis. Le casque légendaire.
la chatte du débutant. Tout le monde a fini le jeu sauf moi et boum, qu'est-ce que j'ai, un casque légendaire. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et là, je loupe quoi? Un caleçon légendaire? Non, pas du tout. Voilà, voilà, voilà. Tu t'approches trop près. Tu t'approches trop près. Et ça dégage. Next. Qu'est-ce que c'est? Encore du loot? Très bien. De la mune, de la mune. Qui dit mune, dit gros bibim pas loin. À mon avis, on va se faire démonter là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Empalement. Ouais. Attends, mais toi, tu vas vite te détendre par contre. Il est là. Mais comment il a fait pour arriver aussi vite, le bâtard? Ok. Ouais, tu vas très très vite te détendre, le vénère là. Ah oui, et ça? Est-ce que c'est du nougat ça? Dis-moi. Ok, bro. Je sais pas pourquoi j'ai changé d'arme. Je trouve qu'il me démonte un peu fortement lui, qu'est-ce qu'on pense? Hein, il me démonte pas un peu fortement lui? Plus de balles, ok. Ok. Empalement de mort. Chier ces empalements là. Un peu chiant vite fait. Une goule mutante. Non, ça ne m'étonne pas. C'est une bonne gueule de... bonne gueule de goule. Hop hop, j'esquive. Ça. Ok. Oh, je me suis pratiquement fait pas fait toucher, puis à la fin il a fait que mid quoi. J'avais pas l'esquive. Beaucoup de mini-boss là, hein, tout à l'heure. Incroyable, c'est temps. On s'en tient à la mission. Il veut m'en aller, ouais. Ah voilà. Il a tout donné pour en tout cas. Je peux pas le loot ces petits trucs bleus? Ah non, en fait je peux pas. C'est du décor. Et ce... Oh, j'ai la tête de... Oh. J'arrête. Ça. Bon, en tout cas, on se tape que des mini-boss, des boss depuis tout à l'heure. Je veux dire, quand même, le jeu nous respecte. Hein. On va pas se mentir. Le jeu nous respecte. Musique stressante. Qu'est-ce que c'est que cette tisane? Putain, je reconnais ici. Je reconnais. C'est le village à Tarzan, les mecs. C'est le village à Tarzan. 100%. Dégagez le nid, j'ai pas de balles. Et les gars, vous m'avez pas donné de mune. Non, parce qu'en cas, un petit peu de mune, voilà, juste, je dis ça, j'ai rien. Vite fait. En général, ça fait pas de mal. Okay. Il y a plein de trucs rouges qui arrivent. Ah ouais. Ok. Ouais. Une petite partie de plaisir, quoi. Une petite partie de plaisir. Oh putain, j'aime pas ça.
toi tu vas très très vite te détendre. Parce que c'est pas parce que t'as un gros dard qu'il faut s'en servir, ok. On dard pas autrui. Est-ce que c'est clair? Ah, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais appuyer sur A, j'ai appuyé sur 1. Ah, j'ai sauté trop tôt, je vais la prendre, c'est sûr. C'est bon? Tu te détends maintenant? Parce qu'on va pas rigoler ensemble longtemps. Outrider! C'est beau, hein? C'est bien fait en tout cas ici. Hein. Merci pour l'aide, docteur. C'est stylé. Mais je dois vous demander. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? L'antidote, pourquoi le garder pour vous? J'ai ma personne ou pas? Les nôtres sont piégés dans la vallée. S'ils savaient ça. Oui, s'ils savaient, pensez-y. Ok. Ah non, je l'ai pas pris? Ils auraient tellement peur que l'autre camp le tienne qu'ils m'enfermeraient. Ces stupides barbares n'ont qu'une chose en tête, la guerre. Ici, c'est... Ah, il y a de la mune, il y a un coffre là-bas. Bah, moi je suis chaud pour duo, mais faut attendre que j'ai fini la campagne, non? À mon avis. Les hommes, les femmes, les alliés, les ennemis. Oh. Ici, oh. La nature et les éléments constituent notre vrai fardeau. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est... On fait ce qu'on peut. Un mur, je sens qu'il y a un mur. Ça pue le boss bientôt ici. Hein. C'est pété de bestioles en tout cas. Ah, toujours pas de munitions, hein, mais y a pas de soucis. Hein. On prend ça. Ouh là là, ça pue. Ça pue. Ça pue les potes. Hein. Est-ce que je vais devoir combattre dans cet endroit? Qu'est-ce que c'est beau! C'est l'arbre qui bouge ou quoi? What the fuck? Qu'est-ce que c'est beau cette zone? Elle est incroyable cette zone. Bon, ici il y a une musique stressante. À l'aide. À l'aide. J'ai toujours pas de mine. Hein. Voilà, ça pue. Grande zone. Dégagez la zone, évidemment. Ah, mais c'est le même que tout à l'heure ça. Oh là. Ok, bro. Je me cache en fait quand il fait ça, c'est quoi le délire? Ah ouais? Ah ouais? Ah non, il me touche quand même. Ok, pas de soucis. Ça. C'est vraiment. Il a l'air d'avoir les jambes atrophiées, c'est un peu bizarre. Ah, et ça dégage. Encore? Encore, ça dégage. Next. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait cette merde. Je déteste ces putains de trucs. Non mais littéralement, je déteste ces putains de trucs. Et ouais. On a un autre en plus, ils sont toujours par croix. Mec, il anticipe où je suis en train de faire ma roulade en plus, il est trop fort le bordel. Ouais, viens du monde là. Oh, 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 oh. On va se détendre très très vite là. On n'est pas venu là pour souffrir, ok? Hop. Ok. Outrider, je suis Kang Jung-soo. C'est moi qui ai sorti tes amis de cet enfer. Je vais m'occuper de ton admission. Admission? Comme je l'ai déjà dit à Skurlock, on ne fait que passer. Ce n'est pas Skurlock qui décide qui reste ou qui part. C'est moi qui dirige la sécurité du camp. Bien de la sûr, mine. Il y a beaucoup de louticiens. C'est des loutes de merde, mais... Skurlock ne serait pas là sans mes soldats. Que puis-je faire pour toi? Et pour ma part, je suis content que tu ne restes pas. Le troisième DLC d'Immortal Phoenix Rising, mais on l'a fait déjà. Je crois. C'est sur quoi le troisième? Je sais pas si je vais le faire. Hein. Je pense, je sais pas si... J'ai pris des mines. Non, j'ai pas pris de mines. Je sais pas si je vais le faire le troisième. Je fais déjà deux... J'ai plus l'abonnement Ubisoft.
Je l'ai... Je le sentais. Véridique, je le sentais. J'ai résilié mon abonnement à Ubisoft. Du coup, voilà. Cent fois plus fort que mon pompe, cette arme, hein. Non ? Je vois pas, non ? Et ça dégage ! Oh là là, qu'est-ce que ça distille ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je suis pas très fan de ce genre de boui-boui, moi. Pour le coup. Je le vois pas, il est où ? Il est dans la fumée, hein. Oh, mais tu vas te détendre, toi, très très vite, hein. Oh. Ça va pas bien, non ? Ça va pas mieux, hein. Ah, tu dégages. Ok, t'as pas vu le jour. Ça m'a fait trop peur, lui, il est fou, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore, là ? Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces monstres de merde ? Il est encore plus gros, celui-là. Oh, la vache. À l'aide. Help. Qu'est-ce qu'il appelle de la mer ? Ok. Contact maternel. Qu'est-ce que c'est que cette limonade ? Je peux te dire que la mer... balafre. Ah oui, ok, je me rappelle de ce monstre de merde. Ah, je les aime pas. Ah, je les aime pas, ceux-là. Faut les laisser invoquer parce que sinon tu peux jamais régénérer. Hein. Ça c'est. Et oh, tu te détends. Oh, je te dis, tu te détends, d'accord. Bah, tu te détends, je te dis. Arrête maintenant. Oh là 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 là, mais y a un monde, y a un monde, mais laisse tomber. C'est pire que les shots d'une boîte de nuit. Quoi? C'est elle qui m'a mis ses dégâts. Oh, la tarte. J'ai mis un coup de tatane de la daronne. Alors, je vais me protéger. Hein. Je vais appuyer sur 2. Voilà. Je vais faire ça aussi. Je vais lui péter ça dans son bouche. Très, très vite. Je vais mourir. Faut que je tue des petits, là, parce que là, je vais mourir. Hein. Oh, quoi? Elle m'a fait une norme à nodou. Non. Non, pitié. Je veux pas décéder, s'il vous plaît. Elle m'a fait une lormanodou. J'ai pas rêvé. Oh, le loot. J'ai plus de balles. J'ai rêvé ou elle m'a fait une lormanodou? C'est bon? Tout le monde est décédé, là? Mais quel enfer, cette histoire. Oh là là, oh là là, oh là là, du loot, du loot, du loot pour le joueur français. Qui est pas loin du late game, bien sûr. J'ai eu plein de trucs, là. J'ai eu plein de loot. Elle a tenté de me faire une mano doux, je l'ai vu, en tout cas. Elle m'a plongé dessus. Tac. Ça, ça dégage. Golem. Golem. Je l'ai déjà. C'est la même chose que ce que j'ai, donc ça dégage. Oh, le nombre d'armes que j'ai loot, là. Après, c'est des bonnes armes. Oh, oh, le pentafion. Pointe creuse. Pourquoi c'est en rouge? Ah ben ça c'est... Ah c'est parce que j'ai déjà pointe creuse et je gagne puissance des centres tir motel sur les ennemis touchés par l'altération. L'état cendre augmente vos pouvoirs d'anomalie. Je vais équiper... direct... Oh non, non. Je vais l'équiper. Voilà. Ah c'est vrai que j'ai un nouveau... Oh. Secousse. C'est intéressant ça. L'espace vital vous octroie un bonus de 15% de dégâts d'armes à courte portée. Énorme. Attends. Ça m'intéresse énormément, ça. Secousse, j'utilise beaucoup. Hein. 43 de récupération de PV et 833 d'armure lorsque la récompense est active. Saignement, c'est peut-être mieux. Hein, sur apesanteur, mais je me sers plus de ça. Hein. En vrai, je vais plutôt mettre ça. De toute façon,
On changera vite à mon avis. J'ai quoi là-dessus? J'ai secousse aussi. Qui récupère aussi des PV? Ah non, c'est une explosion supplémentaire. Je peux pas le garder ça. Je suis obligé de le garder, je veux dire. Golem. Engendre des impulsions radiales qui infligent l'altération d'état saignement aux ennemis situés dans un rayon de 10 mètres. Sympa. Après là, je gagne j'ai une explosion supplémentaire de secousse, tu vois. Golem, je m'en sers aussi. Hein. Je vais garder la secousse quand même. J'aime beaucoup. Le petit truc secousse en plus. Alors, parce que là par contre j'ai du boui-boui. Hein. Alors là, donc nous on avait un fusil d'assaut. Mitrailleuse légère. Ouais, on peut prendre un petit fusil d'assaut. Hein. Les tirs mortels génèrent 215 de vos PV. C'est pas mal. J'ai quoi sur celle-là? Ah, c'est les ricoches. Ça c'est pas mal, hein, les ricoches. Hein. Sans chaud, très très intéressant sans chaud. Hein. Les tirs infligent l'altération d'état gel. Ça doit être énormissime ça. Gel. Les tirs infligent l'altération d'état saignement. Et ça, c'est les ricochets. Attends, gel. Je rêve ou c'est génial ça? C'est la même que j'ai en plus en stat. Hein. Elle fait juste plus de dégâts. Sinon, tout est pareil. Attends, mais gel, c'est monstrueux, non? Je vais quand même garder celle qui fait 100 chaud à 995. Dévoreur d'âme aussi, je vais la garder, je crois. Ça, je vais virer. Saignement, je vais virer. Ça, je dégage. Et le pompe. Le pompe, faut que je le vire. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est de la merde. Pompe. Ah. Fusil à pompe perforant. Auto. Perforation. Je suis pas fan du pompe. Hein. En vrai. Hein. Est-ce que je prendrais pas deux mitraillettes? Parce que le pompe, franchement, t'as 4 balles, quoi. Tu vois, lui, il a 3 chargeurs de 10, quoi. C'est vraiment de la merde, hein. Franchement, jouer aux pompes, c'est dégueulasse. Tous les telluristes jouent tous aux pompes. Parce que franchement, les pompes, je suis vraiment pas fan, hein. Moi, j'ai envie d'y aller à 2 pistolets mitrailleurs, hein. En même temps, je peux jouer aux pompes, hein. Je vais le mettre, celui-là, parce qu'il est quand même beaucoup plus fort. 462 CPM. 86 CPM, 318 de dégâts. Ouais, il est 100 fois mieux, il a 982 de puissance. Incomparable. Parce que le problème de ce pompe-là, c'est que ça fait 8 ans que je l'ai, quoi. Donc, à mon avis, il est bien dépassé, quoi. J'ai essayé de jouer avec ça. Je vais garder l'autre, on verra bien. Voilà. Ça me paraît légit. Et la mitraillette. J'ai trouvé le camion. Ah, il est là. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que cette limonade? Ah, je veux bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est dans une anomalie. Diantre. Il voulait pas loot. La pompe à huile. Sur le ah, c'est bon. Ok. Ce taré de Kang n'arrête pas de me regarder. Fin de la mission. Ah, du coup, il faut que je back. Hop. Initialisation du déplacement. Let's go. Ok. Pas dégueu. Jusqu'à ce qu'elle recule, puis tu relâches. Mais t'as oublié ce que je t'ai appris? Ce que tu m'as appris? Franchement, tu crois m'avoir appris quoi que ce soit? Incroyable! Quelle fougue! Elle a bien hérité de ton caractère. Bon, c'est l'heure de la pause. J'imagine que t'as le droit d'entendre toute l'histoire. Alors, il y a bien longtemps, avant cette maudite planète, avant même qu'on quitte la Terre, j'amenais des ouvriers à la station orbitale du Caravelle. Il y a des flammes partout, et je cherche une issue. Je trébuche, et je vois cette femme enceinte couchée sous les débris.
nous ait tirés de là tous les deux. Tous les trois. Attends. T'étais là pendant l'accident du Caravelle ? Tous les survivants du Caravelle ont gagné un ticket à bord du tout nouveau Flores et puis je l'ai revu. Juste là. À Trenchtown. Son enfant était né. C'était une fille. Elle l'avait appelée Shanna. Et cette gamine n'avait que 6 ans quand elle a vu sa mère mourir. Mourir sous ses yeux. Alors, tu l'as élevée. Allez. Ce camion va pas se réparer tout seul. Ok. C'est sentimental, ce Jacob. Chercher Shanna dans l'enclave. Ok. J'aurais bien aimé tester mes armes. Hey, Jacob. C'était une super histoire, mais ça n'explique pas pourquoi Shanna te déteste autant. Pourquoi, à ton avis ? La tête que j'ai. J'ai jamais demandé à être papa dans un endroit pareil. Tu connais le taux de survie des enfants ? Mais j'avais tort. Cette petite a fini par grandir. Qui sait ? Tu lui as peut-être rendu service. Si t'avais pas été un tel enfoiré, elle ne se serait peut-être pas endurcie. C'est plein de quêtes secondaires ici. Hein. Va le lui dire. Shanna. Hein ? Jacob m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Oh. Est-ce qu'il vous a dit comment ma mère est morte ? Je suis désolé. Les enfants ne devraient pas vivre ça. Encore mieux. Je l'ai vu 2 fois. La première fois, c'était une vision. Je suivais Jacob. Je le suppliais de rentrer, parce qu'il n'était pas dans ma vision quand elle mourait. Je me suis dit, s'il est là, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais Jacob ne m'écoute jamais. Ok. J'ai débloqué le niveau de monde 7 bientôt, là. Ça va être Shogun. Hein. Il y a 15 niveaux, je crois. Qu'est-ce que c'est, ici ? Reposez-vous dans la hutte. Les Altéri ne peuvent pas participer à notre cérémonie en raison de difficultés scientifiques. Mais nous apprécions grandement votre présence ici. J'ai fait préparer votre hutte. Il y a un coin pour vous reposer, à manger et même une bouteille un peu spéciale. Elle est au pied des marches qui mènent à la tente de cérémonie. Et pourquoi il squatte devant ma hutte, lui ? Pourquoi ? Il surveille la hutte ? Peu de gens arrivent ici en vie. Et moi encore veulent aller plus loin. Il abusait de la musculature. Qu'est-ce que tu cherches, l'ami ? Je suis pas ton ami. Tu sais pas ce qu'il y a là-bas. Je pourrais t'en dire plus. Je pourrais te prévenir, mais... tu ne me croirais jamais. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que ce que j'ai vu, même moi, je n'y crois pas. Il a l'air tranquille, lui. Ouais, moi aussi. Une soirée comme ça, c'est une soirée d'enfer, mon pote. T'as pris de la drogue ? Non. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire. T'en penses quoi, toi ? C'était bizarre. Allez, venez. C'était la cérémonie de Skurlock ? C'était comment ? Étrange. Des discours décousus sur la fraternité, puis on a pris des pierres dans un panier. Mais il y avait de la musique et de la drogue, donc ça allait. Où est Zaidi ? Avec Skurlock. Il parlait dans un jargon scientifique. Il va revenir. Si seulement. Votre ami a choisi la pierre noire. De quoi tu parles ? Il l'emmène au laboratoire. Ouvrez-moi et je vous y amène. Lui, il bouffe des enfants le matin, ça se voit. Lui, il bouffe des enfants au petit déjeuner, hein. 100%. C'est Zaidi, je vois pas comment ça peut être autrement. Alors, Zaidi, vous me recevez ? Salut, on se casse ? Let's go. Hey, boss. Fallait vraiment qu'on emmène l'espionne. Let's go.
Next map? C'est quoi le truc là? Il nous emmène dans la boue, c'est ça? Nouvelle map du coup? Il y a beaucoup de maps, hein. Ah, c'est ouais. Là que Scurlock fait son antidote. Mm-hmm. Peu de gens savent ce qui se passe ici. Et toi, comment tu le sais? Avant, je l'aidais à le faire. Jusqu'à ce qu'il emprisonne un de mes amis. Ça serait pas une bonne personne? Oh! Point de classe disponible! Yes! Augmente de 20% les dégâts de votre arme d'assaut. L'activation de vos compétences de protection. C'est pas mal. Hein. Quand même des gros points là. Qu'est-ce qu'on a après sinon? Dégâts d'armes de 8%. Réduisez de 15% le temps de recharge des compétences cinétiques. Augmente de 15% vos armes. Vos dégâts d'armes à courte portée. Énorme. Ok, là c'est quoi là? Ah ouais, ça a pas mal ça, chasseur de primes. Je te conseille de prendre l'arme d'assaut. Ça, maître des assauts. Ça là, j'imagine que tu veux dire. 20%, augmente de 20% les dégâts, c'est vrai que c'est énorme. Augmente les dégâts de votre arme d'assaut de 12%. Là j'ai 12%, là j'ai 20%. Et ça c'est quoi déjà? Les dégâts de votre fusil à pompe, je l'utilise pratiquement plus. Comment je fais pour l'enlever? Ah je peux pas. Faut que je réinitialise la totalité de l'arbre. C'est gratuit hein. Ok. Perforation d'armure. Parce que j'étais trop fusil à pompe et j'y joue pas tant que ça avec en vrai. Dégâts d'armes à courte portée, donc quand les hommes, les bonhommes sont collés à moi quoi. Arme d'assaut 12%, perforation d'armure 10%. C'est pas mal. Hein. Perforation d'armure ou je sais pas ce que ça vaut. On va prendre tout ce qui est arme d'assaut. Dégâts critiques, réduit le recul. Dégâts critiques. Augmente vos dégâts d'armes de 8%. Ok. Mettre des assauts. Ok. 15% le temps de recharge des compétences cinétiques. 15% vos dégâts d'armes à courte portée. Donc quand les mobs sont collés à moi, je fais plus 15% de dégâts, on est d'accord. La perforation, ça vaut quoi? Ouais, ça vaut pas le coup. Ok. Dégâts courte portée. Dégâts d'armes à 8%. Oh là, j'ai pris des dégâts monstrueux là. Là, j'ai pris une quantité de dégâts de ouf. J'avais tout dans le pompe et maintenant de tout mettre là-dedans, ça allait beaucoup mieux, je pense. Alors raconte! Qu'est-ce qu'on fait hein? Suivez Zaidi. Bah, let's go! Mais ce sont Kang et ses soldats qui dirigent cette forteresse. Très très beau aussi. Très très beau. Dis-moi ce qu'ils veulent à Zaidi. Rien de bon. Dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Ah, cinématique. Ah, il m'enferme dehors. What? Halt! Hey, comment ça va? J'aimerais voir le docteur Zaidi, s'il te plaît. Cet endroit est interdit d'accès. C'est le dernier avertissement. Bon, Chewbacca, laisse-toi faire. Oh, fight. Sonnez l'alarme, on nous attaque. Ah ouais, oh le gel. Oh ça va être, je sens que ça va être n'importe quoi le gel. Oh je sens que ça va être n'importe quoi. Oh les damage que je mets sont insane. Ah ouais non mais attends mais ça n'a rien à voir là. Laissez un tout petit peu par contre. C'est très très fort. Eh bien mec là, j'ai pas rêvé. Mais comme c'est trop fort le gel. Mais les mecs ils doivent jouer ça à mort HL non? Mais, ah, mais c'est trop fort le gel.
qu'est-ce que c'est fort! Mais y'a que des gros ici ou comment ça se passe? Hein? T'es tiré dessus par où là? Ok. Hé! À l'aide! J'arrivais pas à le toucher, ce bordel! Ah ouais! Ok. C'est des snipes là-haut, c'est ça? Ok, boss. Mini-boss, quoi. C'est n'importe quoi, ça! Et un autre boss là-haut, je crois. Ah merde, je suis un peu keblo là. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression d'être totalement keblo là. Ok, plus de balles, je suis au pont. Il y a un autre boss là-haut, je crois. Wow, 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 wow. Pourquoi ils ont tous des têtes de mort? Des têtes de mort. J'ai pas de balles. Hein. C'est quoi ça? Ah, mais c'est des balles. Incroyable. Mais décède en fait! Avec tout ce que je lui mets! Ah! Il y en a un autre. Hein. Des loot? Non, c'est un petit. Ça va. Ok. Et là-bas, c'est quoi? C'est un petit aussi, je pense. Ok. Tiago, où se ok. C'était des mines depuis tout à l'heure ici, en fait. J'avais pas grillé. C'est là qu'ils retiennent votre ami. C'est tout, y a pas de loot, y'a rien à loot de spécial. Oh, hein. Apparemment. Hein. Faut que j'aille là-haut, d'accord, ok. Je suis passé à côté. Là Ah oui. Ok, c'est une petite, un petit village. Oh! La porte, elle m'a dit dégage. Là, t'es peut-être pas dans un bon état, mon ami. Qu'est-ce que c'est que cette limonade? Des gens. Des vaccins. Voilà ce qu'ils nous ont injecté. Il lui fallait de la moelle osseuse pour l'antidote. Et dire que tous ces gens ont fui la guerre pour venir mourir ici. Et j'étais le suivant. Vous croyez que c'était facile, docteur? C'est aléatoire, pas le choix. Sauf pour vous. Dispensez de votre loterie, j'imagine. Comme c'est... Moi, je crée l'antidote. Je vous garde en vie. Combien de victimes avez-vous sacrifiées pour votre petite utopie? Je ne suis pas un monstre. Alors faut que j'enlève l'armure. Je porte le fardeau. Renvoie de balle. Je vais essayer. Pour que les autres survivent. Quoi? Vous choisissez qui vit ou meurt? Je ne me cache pas derrière un panier de pierre. Quand je tue quelqu'un, il sait que c'est moi. Merci pour le follow.
Pierre Anto. Prenez ce que vous pouvez porter. Vous n'aviez pas à le tuer. C'était un homme de science. Nous sommes si peu nombreux. C'était un meurtrier fanatique. Et moi, qu'est-ce que je suis alors? Son antidote, nous allons encore l'utiliser. Vous n'avez encore rien vu. Me dis pas qu'on va devoir se fight contre lui, ça va. Trop gros muscle. Qu'est-ce que c'est que ce lieu de culte? Oh, Geralt. J'en fais voir de plus près, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que c'est que ce... Oh ! Ah, c'est dégueulasse ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Un natif d'Enoch. J'ai trouvé August. Seul, perdu. Je lui ai offert... Quel enfer ! Mais Scurlock n'a vu qu'un spécimen sur qui faire des expériences. Ça... Ça change tout. Pitié. Assez. Il parle. Pitié. August, tout va bien. Ils sont différents. Ce sont des amis. Amis. Tiago. Mais elle a encore envie. Ils lui ont pas donné à manger depuis quelques années, elle. Hein. Voilà. Tu es libre. Rentre chez toi. Elle me suce l'esprit! Elle me suce l'esprit! Amenez le docteur Zaidi à mon camion. Faut que je prenne leur envoi de balle vite. Ah, c'est bon. Il se déplace de manière imperceptible. Il faut partir d'ici. Je connais un passage à travers des grottes qui nous mènera en lieu sûr. Emmène Zaidi. Une barrière capture tous les projectiles. Je retourne à l'entrée principale m'occuper des renforts de Kang. C'est quoi le délire? Combattez pour sortir de la forteresse? Ça marche. Qu'est-ce que c'est stylé ici? Oh bon, à part le côté torture, décès et tueux dans le. Et endoscopie. Sinon, tout le reste est vraiment cool. Un peu tout? Ah, d'accord. Ça peut être sympa en effet. Attends, parce que je suis bien là. J'ai une bonne position, je trouve. T'as qu'à y fourre comme ça là au-dessus. Hein. Mais partout les balles là, juste pour savoir. Ok. Ah oh, ben y'a. Oh, 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 oh. Fils de quoi? Mais détends-toi très très vite. Hein. Parle pas comme ça sur Twitch, tu vois. Ok. Ouais. Next. Il y a de la mune. Il y a de la mune de partout là. Comment ça se fait qu'il y a autant de mune? Je sens que c'est pas fini cette limonade. Ah. Ok. Ah non! Ah, il y en a un autre, il y en a un autre. Oh, il est loin lui. Oh, what? Oh, il était loin lui. Lui, par contre, le snipe va falloir aller le chercher là-bas. Il est très très loin celui-là. Ouais, du loot. Ah, c'est un casque. Casque bleu, ça me sert pas à grand chose. Ah! T'as les boules, t'as les glandes. Putain, je peux pas me les encadrer ces snipes. Je te le dis, ces snipes, je peux pas me les encadrer. Ok les gars, ok.
Y'a un boss là. Ah, d'accord. Attendez. Non mais va, calmez-vous là. Waouh 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 waouh. Oh oui, y'a un gros gros boss. Ah, il gèle en plus, l'enculé. Il gèle, il crame. Non mais vas-y, non mais barbecue est parti et tout ce que tu veux. Moi, je te détends, toi. Je sais tuer les ZAD, hein, pour faire le boss en dernier. Je sais pas si vous avez compris ma technique. Mais il court en plus, le bas de ça. Ah mais il fait des tourelles lui. Lance bombe. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde les gars. Et il court lui hein. Est-ce que par hasard, je tente un truc. Est-ce que ça, ça le pique un peu. Wow. Je mets des 136. Ok. Je vais voir si je prends ça. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Zéro pointé le fusil à pompe. Hein. Oh, c'est la dernière fois que je loot un fusil à pompe de ma vie. Ça me saoulait avec ces tourelles de merde. Hush. Hush. Mais il me défonce. Je m'en mets à toutes les sauces de ces tourelles de mort là. Hein. Pas si t'as remarqué. Oh là là, et puis ça met des tartinades. Ça aide pas beaucoup par contre, ça je trouve. Il est où ? Je suis bleu là ? C'est une blague ? C'est une blague ou je suis bleu là ? Ok. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 j'ai pris tellement de dégâts. Bon, ça se passe plutôt bien en vrai. Mais vous en pensez quoi, les gars? Je trouve, hein. Voilà. Là, je fais ça, je fais ça. Je finis comme un flambi. Et puis rouler, quoi. Ok. Nous voilà au convoi. Votre nouvel ami connaît bien les environs. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Pas dégueu. Pas dégueu. Ah, je peux pas. Ok. Hop là. Alors. Parler à Yacoub. Ah non. C'est quoi ce bruit là? Wow 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 wow. Je loot. Faut que j'aille où? Comment je fais pour monter là-haut? Ni Nani. Ah, c'est, ça a l'air d'être par là. Attends, mais il y a du loot. Ah non, c'est une lampe. Merde. Je me suis fait eu. Tac. Jacub, j'arrive. Jacub, je rive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ok. Peut y aller. Ou peut-être qu'on devrait vérifier que personne d'autre veut enlever... Ah, les balles glaçons, c'est très très fort. C'est très très fort. Qu'est-ce qu'on fait? Faut aller où, là? Faut que je TP, là? Hein? Faut que j'ai TP, là, non? Ah non, faut que je prenne le... Ah, faut que je rentre à patte? Ah, mais il est juste là, de toute façon, en vrai. Le camp est juste là, je crois. Qu'est-ce que c'est stylé, cette zone, par contre. Elle est magnifique, ils se sont gavés, hein. Ils sont vraiment gavés sur la zone. Là, y a rien à dire. Jacub! Jacub! Il est où?
Une quête là? J'ai peut-être loot des trucs, j'ai pris un niveau, il s'est passé plein de trucs. Je vais regarder un petit peu avant de lui parler, parce qu'autant il va me faire aller plus loin lui. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu exactement? Un casque bleu. Ça dégage. J'ai un casque légendaire. Du coup, le pompe... on valide pas du tout le pompe. Hein. À moins qu'il y en ait qui soit vraiment extraordinaire. Je suis désolé, mais c'est compliqué le pompe. Hein. Ouais. Non, là, on a quoi, là? Mitrailleuse légère. C'est vraiment très très bien, ça. Fusil d'assaut aussi, j'imagine. Là, j'ai un autre pompe. Double canon tirant rafale. C'est même pas un pompe, ça. Hein. Si? Chargeur 52. Non, c'est pas un pompe. Oh, 1300, celle-là. Pas mal, ça. C'est pas... Salut, Polo. Tir mortel génère de la vie. Hein. Laquelle, les amis? J'ai envie de mettre celle-là en premier. Mitrailleuse légère standard. Le problème du pompe, c'est que je suis pas très fan. Hein. On va pas se mentir. Hein. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a vraiment convaincu. Ça, c'est un pompe, hein. On est d'accord? Non, pas du tout. Non, c'est pas un pompe. Il n'y a aucun qui m'a vraiment convaincu, en fait. Hein. Bah, le gel, je suis obligé de le garder, c'est beaucoup trop fort. Hein. Adepte des drains. C'est pas mal. Augmente de 20% le drain d'armes, le drain de vie avec les armes, en fait. Oh, ok. J'ai envie de tout vendre. Non, véridique. Hein. Franchement, je suis pas fan de tout ça. Je vais garder ce que j'ai. Là, le snipe, ça m'intéresse pas. Elles sont pas ouf. Le gel est beaucoup trop fort, en fait. Et donc voilà quoi. Allez, ça dégage. Et ça, du coup, j'ai eu un. Oh, 28 de bon Dieu, revolver standard. Les tirs régénèrent vos PV. Incroyable, on prend du DPS. On est à 1305 de puissance de feu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Jacub ja... bah... Qu'est-ce que t'as vu, bon sang? Alien. Un truc avec. Where is Jacub? Il est dans le... Il est dans le... Il est dans le sac? Ah. Il a disparu. Ah, il est là. Tout va bien. Faut y aller, prépare le camion, Jacub. Ah, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Région inconnue. Ok. Donc là, on est là. Oh, on en a fait quand même un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive à la 10e. Pas dégueu. Pas dégueu. Ça va vite, hein, en vrai. Oh, ça a l'air stylé. Tout de suite. Oh, bande annonce. Vers l'est. Cinématique. Il y a un ravin à l'est. Il faut le contourner par le sud. Tu connais cette forêt? Oui, mieux que quiconque. Je n'ai pas déserté. Je l'aime bien, lui, en vrai. J'étais dans la forêt parce que je suis explorateur. Il est cool, lui. Un voyageur. Comme toi, Outrider. On va par-delà l'anomalie. Je ne sais pas si on reviendra, mais... Il nous faudrait un guide. Putain. Mais c'est un vrai convoi de comique. D'accord. Oula, mais on va dans les temples mayas, là. C'est un peu bizarre, ce gros trou dans le rocher, non? Est-ce que ce serait pas un joueur de MSF, c'est ça? C'est pas vrai. Nous devons prévenir Gutman. Dire qu'il y avait une civilisation alien juste là depuis tout ce temps. Ce serait pas plutôt nous, les aliens? Ces ruines sont anciennes. Si ces êtres sont comme celui qu'on a vu, le signal qui a été envoyé ne vient pas d'ici. Vous êtes sûr qu'on va toujours dans la bonne direction? Franchement, Outrider, je ne sais pas. Mais si vous placiez un récepteur au-dessus de ces arbres, nous serions assez haut pour retrouver la piste. Je connais une structure. Donnez-moi une radio et je vous guide. Fait flipper, elle, hein. Fait flipper, elle. Ok, on est bien, on est bien. Je vais arrêter la VOD là. Merci, YouTube. Des bisous, YouTube.